bonjour. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur la RTNC. La 20e réunion du Conseil des ministres s'est tenue en distanciel, présidée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour. Nous vous proposons cet extrait sur la restauration de l'autorité de l'État et la fermeture de ports privés et illégaux. Suivons cet extrait avec le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe. De la restauration de l'autorité de l'État. Le président de la République a réitéré son instruction donnée lors du Conseil des ministres du 20 octobre 2020 visant la fermeture de ports privés illégaux et clandestins. Réaffirmant sa détermination à mettre fin à cette anarchie, le président de la République a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, la ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux et les ministres de Transport, Voie des Communications et des Enclavements, de fournir un rapport circonstancié à la prochaine réunion du Conseil des ministres. Il a insisté qu'il attendait d'eux les résultats concrets, en rappelant qu'un contrôle homologué de tous les ports en vue de la sécurité nationale et de la protection du peuple congolais. Les derniers points de la communication du président de la République apportés sur la lutte contre la fraude minière. Le président de la République a déploré les différents scandales d'exploitation illégale des ressources minières. Plusieurs opérateurs économiques, sociétés ou personnes physiques détenant des permis de recherche font de l'exploitation en lieu et place de recherche proprement dite. Le président de la République a, à ses propos, demandé à la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ainsi qu'à sa collègue de Mines, d'instruire les services compétents pour une enquête détaillée sur ces sujets. Dans les mêmes volets, il a instruit le ministre des Mines de prendre toutes les dispositions nécessaires pour produire un rapport clair sur cette situation, ainsi que de propositions concrètes, assorties des mesures contraignantes pour des cas d'irrégularité avérée. Il a demandé au Premier ministre de mettre en place une commission interministérielle chargée d'établir la cartographie de minerais de la République démocratique du Congo pour protéger notre pays et nos populations. Nos lois, nos coutumes et nos populations doivent être protégées par les autorités. Pour la 8e fois consécutive, le Sénat vient d'adopter le projet de loi portant organisation de la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. C'était lors de la plénière d'hier présidée par son président Modeste Batilukwebo. Reportage Sandra Nyangui. Pour les 15 prochains jours, les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri seront encore sous état de siège. Les sénateurs ont adopté ce vendredi 17 septembre 2021 au Palais du Peuple le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège pour la 8e fois, et cela à l'unanimité. Au cours de la même plénière, l'honorable président du Sénat, Modeste Batilukwebo, a informé aux sénateurs que le Premier ministre, Jean-Michel Samalukonde Kenge, a été saisi par le bureau du Sénat afin de procéder à l'évaluation de l'état de siège. Quelques membres du gouvernement concernés par cette question seront invités incessamment pour être auditionnés au cours d'une plénière. Nous avons saisi le Premier ministre pour demander à ce qu'il désigne les membres du gouvernement qui doivent procéder avec nous à l'évaluation de l'état de siège. J'ai reçu la réponse du Premier ministre qui a désigné le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, la ministre d'État à la Justice et Garde des Sceaux et le ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, il viendra avec les deux gouverneurs militaires. Le ministre de la Défense, qui se fera accompagner du chef d'état-major général et de tout autre collaborateur qu'il jugera utile et indispensable. La ministre de la Justice, mais également le ministre des Finances.
Le ministre des Finances répondra également aux préoccupations des élus sur l'impact socio-économique de l'état de siège. Une position soutenue par l'ensemble des sénateurs. Le président du Sénat, Modeste Baati Lukwebo, a par ailleurs rappelé ses collègues à la régularité dans leur travail, tout en rappelant la disposition de l'article 10 de la Constitution qui stipule qu'un sénateur peut perdre son mandat s'il s'absente sans justification valable à plus d'un quart des plénières au cours d'une session. Modeste Baati a soutenu que la bonne gouvernance que prône son bureau en se conformant à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui rime avec le respect des textes qui régissent leur institution. Luanda, capitale de la République d'Angola, vient d'abriter un mini-sommet de la CIRGL sur la situation sécuritaire en Centrafrique. Le chef de l'État de la RDC a été représenté à ses assises par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant qui avait à ses côtés son collègue de l'intégration régionale, Didier Mandinga. Commentaire, Vital Pagabita. Les pays de la sous-région des Grands Lacs sont confrontés pour la plupart à l'insécurité. Au cours de ce troisième mini-sommet de la CIRGL, conférence internationale pour la région des Grands Lacs, convoquée à Luanda par le président angolais João Manuel Lorenzo, il a été essentiellement question de la situation sécuritaire en République centrafricaine. Le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été représenté à ses assises par le ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga Mukanzu et celui de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda. Il ressort de toutes les allocutions prononcées, notamment par le président angolais, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, celui de la Centrafrique, Faustin Archange Touadéra, et du président de la Commission africaine, Moussa Faki Mahamat, la volonté et la détermination de tous les pays de la sous-région de promouvoir la paix et la sécurité en Centrafrique. À cet égard, des efforts sont à déployer pour endiguer le phénomène des groupes armés auteurs de beaucoup de dégâts matériels et pertes en vie humaine. Les acteurs sociopolitiques ont été invités in fine à regarder dans la même direction afin de préserver la paix et la sécurité, gage de tout développement. Clôture des travaux du colloque international sur la présidence congolaise de l'Union africaine. Plusieurs recommandations ont été formulées au cours de ces assises et c'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Daniel Asselo, qui a au nom du premier ministre clôturé ses assises au Collège des hautes études de stratégie et de défense, CHESD, dans la commune de la Gombe. Reportage, Thierry Nzazi. Tout comme à l'ouverture, c'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Daniel Asselo Okito, qui a, au nom du premier ministre, procédé à la clôture des travaux du colloque international sur la présidence congolaise de l'Union africaine. Ces assises de deux jours ont eu trois objectifs majeurs, à savoir expliquer dans le contexte de la Covid-19 la présidence congolaise de l'Union africaine, tracée en forme de jalon et repère le chemin vers la réalisation de l'agenda 2063 par la présidence congolaise jusqu'en février 2022, ainsi que mettre en exergue la diplomatie et les initiatives congolaises à la hauteur et au service du continent. Organisé à l'attention des auditeurs de la 4e session spéciale et la 6e session ordinaire du Collège de hautes études de stratégie et de défense, CHESD. Le président du panel, le professeur Toumba Luaba, à séance tenante, évoquait le retour de la RDC sur l'échiquier international. Ces assises se sont clôturées avec trois recommandations qui ont été formulées pour une présidence de l'UA réaliste, à savoir militer pour un basculement de l'organisation internationale vers l'union d'États, redéfinir le concept souveraineté en incluant le variable de l'agenda 2063. Toujours et toujours placer le peuple africain au cœur de tous ses desiderata. Parlons de la clôture
Nous venons là de suivre la clôture justement du colloque international sur la participation de la RDC à l'Union africaine, chapitre infrastructure, la première réunion du comité de pilotage de travaux de construction des axes Pondwe, Kasindi, Beni, Butembo, Bunagana, Rutshuru, Goma. La RDC et l'Ouganda ont harmonisé le vu pour la matérialisation de ce projet. Reportage Rudis Kitutu. L'heure est à la matérialisation du projet routier entre la RDC et l'Ouganda. Deux jours de travaux ont servi, entre autres, à identifier les points saillants de ce projet, peaufiner des stratégies et la mise en place des différentes méthodes afin de lancer dans un bref délai les travaux de construction des axes routiers Pondwe, Kasindi, Beni, Butembo, Bunagana, Rutshuru, Goma. La matérialisation de ce projet est d'une importance capitale, a précisé à la clôture de travaux le ministre d'État des ITP, Alexis Guissaro Mouvouni. Elle favorisera les échanges socio-économiques et affermira le lien entre l'Ouganda et la RDC dans son volet sécuritaire. Ce défi est un défi qui, pour moi, est un exemple par rapport à la future coopération qu'il y aura entre les deux pays. À l'ouverture de ces travaux, nous avons tenu à rappeler les responsabilités, le rôle de ce comité de pilotage. Cela aboutit au fait qu'on a établi une feuille de route qui nous permettra non seulement d'évaluer notre projet dans le temps, mais également avec les responsabilités qui sont dévolues à chacun. Rappelons que ces assises ont démarré le mercredi 15 septembre et se sont clôturées le jeudi 15 à Kempinski Hotel. Les lignes maritimes congolaises sont désormais joignables depuis l'extérieur avec des bureaux de représentation ouverts en Afrique du Sud et en Namibie. Le président du conseil d'administration et le directeur général de cette entreprise étaient à Johannesburg et à Washington pour l'ouverture de ces bureaux. Reportage et Dichala. Dans la partie sud et est de la République démocratique du Congo, les lignes maritimes congolaises se sont installées pour la sortir de l'enclavement. Ceci procède de la volonté du nouveau leadership de cette entreprise de répondre aux besoins congolais de transport sur mer et d'une vision avant-gardiste. Lambert Mende Omalanga, président du conseil d'administration à la tête d'une importante délégation dans laquelle se trouvait le directeur général Cédric Tizayinga, s'est déplacé à Johannesburg en Afrique du Sud et à Walvis Bay en Namibie pour l'ouverture des bureaux de représentation des lignes maritimes congolaises. Un événement qui place les lignes maritimes congolaises sur la voie de la compétition commerciale sur le continent dans un contexte de la zone de libre-échange continentale africaine. L'armateur national ne veut laisser aucune place à d'autres et s'engage à desservir tous les ports de transit vers la République démocratique du Congo sur tous les corridors. Assurer la présence à un coût raisonnable des lignes maritimes congolaises dans différents ports de transit de la région. Notre direction générale est engagée dans une négociation qui est pratiquement terminée pour une synergie en ce qui concerne l'acquisition de nouveaux navires. La conviction du directeur général Cédric Tizayinga laisse entrevoir les lignes maritimes congolaises plus compétitives et prêtes à renflouer les caisses de l'État par le commerce extérieur de la RDC. L'efficience des résultats au sein de l'administration publique dépend entre autres de la maîtrise des effectifs. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a remis un lot important des kits informatiques pour recensement biométrique des acquis de carrière de l'État. Reportage Cédric Kenina, Nadine Kilosho et Moke Maluma. La République démocratique du Congo vient de franchir un cap important dans le processus de la maîtrise des effectifs des agents de l'administration publique par l'acquisition de ces kits de recensement biométrique dernier cri. Je vous demande donc de pouvoir le recevoir et d'en faire bon usage. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, a remis officiellement à l'administration publique des kits informatiques pour le recensement biométrique des fonctionnaires de l'État en vue de doter le pays d'un fichier de l'administration publique toiletté. Aujourd'hui, avec l'acquisition de ces kits, dernier cri, nous allons entamer une nouvelle phase
de ce processus de maîtrise des effectifs. Ces kits de recensement reçus de la Banque mondiale par le truchement du projet de réforme et de rajeunissement de l'administration publique PRAP va favoriser l'éradication de tous les cas litigieux, ainsi capter et canaliser les moyens financiers pour le bien-être des agents et fonctionnaires de l'État reconnus dans l'administration publique. Ça va nous permettre à partir de ce moment de filtrer tous ceux qui seront dans la base de données. Personne ne peut revenir deux fois, d'autant plus que, aussitôt qu'il va tenter, du fait qu'il existe déjà, ça va signaler. Le rythme de travail imprimé par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, dont le traitement et les suivis des dossiers est bien apprécié et provoque des réactions. Les travaux d'élaboration du plan de développement provincial de la ville de Kinshasa viennent de débuter. C'est le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, qui a donné les go de ses assises pour une durée de 55 jours avec pour objectif le développement socio-économique durable de la ville-province Kinshasa. Reportage Diane Balaka, Fifi Bokeme et Joël Makela. Pendant moins de deux mois ou presque, les experts du ministère du Plan auront à produire un document stratégique des références devant définir et orienter la vision du développement socio-économique de la ville-province Kinshasa. Cela dans un contexte multidimensionnel, ces travaux vont se focaliser notamment sur l'établissement et la validation du diagnostic inclusif et participatif, l'élaboration et l'actualisation du plan d'action prioritaire et enfin l'élaboration et la validation des fiches du projet. Ces travaux ont été lancés par le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila. Ces derniers apprécient l'élaboration de ces documents qui va servir d'outil de travail pour la bonne gouvernance de la ville de Kinshasa. Ce document, de par son importance stratégique, devait se préparer et se produire dans des conditions aussi bien réglementaires que techniques indiquées pour garantir son adoption bien avant 2019 ou 2020. Cette étape d'élaboration sera suivie de la conférence des bailleurs de fonds sous la direction de l'autorité urbaine pour conclure un accord de finalisation de ces projets en 2022. Remise à niveau des agents et cadres de la RTNC, il en a été question à l'Institut congolais de l'audiovisuel, ICA. En tronc commun, les récipiendaires ont terminé leur formation hier et ont reçu des brevets des mains du directeur général par intérim de la RTNC, Freddy Moulumba. Reportage Rodé Panda. 14 des 30 apprenants attendus sur la session de formation des équipes de production du journal télévisé ont reçu leurs attestations de participation de main du directeur général AI de la Radio-Télévision Nationale Congolaise ce vendredi 17 septembre 2021 dans la salle polyvalente de l'Institut Congolais de l'Audiovisuel, ICEA. Freddy Moulumba Kabwayi est décidé à relever le défi de redorer l'image de la RTNC qui a plus que besoin d'une cure de recyclage de ses agents et cadres par l'expertise disponible en interne. Quand on a assuré cette formation, on a constaté qu'il y avait certaines carences dans le chef de récipiendaire, c'est comme ça que nous nous sommes employés à appeler les ABC de la profession, les principes de la profession, le principe de reportage, n'ont pas changé. C'est l'outil de travail qui a changé. La RTNC regorge des compétences en la matière que vous ne trouvez nulle part. Mais ces gens-là sont sous-utilisés. Freddy Moulumba, en tant que directeur général AI, ça fait deux mois, réaliser cinq sessions de remise à niveau des professionnels de la RTNC, il faut d'abord y penser. C'est un acte qu'il faut féliciter. Le miroir de la République démocratique du Congo, c'est la RTNC. Qu'on le veuille ou non, ces cinq sessions de formation ont sorti 76 professionnels de l'audiovisuel déjà. Le changement est perceptible quand vous regardez la télévision et quand vous écoutez la radio. Mais d'ici un mois et demi, les téléspectateurs avertis, les auditeurs de la RTNC prendront de même rendez-vous avec la chaîne nationale.
Droit d'auteur à l'épreuve du numérique en droit congolais et en droit comparé, c'est la thèse soutenue à l'université de Kinshasa par Ngazi Ndoni du département de droit privé et judiciaire. Reportage Jean-Pierre Ndolo-Demazou. Le récipiendaire a proposé des pistes de réforme pour que le marché numérique propose des offres légales. L'objectif de cette étude est d'adapter le droit d'auteur congolais à l'environnement numérique en se servant des autres lois des États d'Afrique francophone comme élément de comparaison. Ce droit a démontré que les trois autres lois nationales du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal plus récentes contiennent des règles qui prennent en compte l'environnement numérique. C'est le cas de la protection des programmes d'ordinateur, des bases de données, de la limitation de l'exception à la copie privée. Selon le récipiendaire Nganzi Ndouni, pour mieux protéger les créations numériques, il faudrait que la RDC se rallie aux trois États qui protègent déjà les programmes d'ordinateur comme œuvre littéraire. Le choix du sujet a été animé par les soucis des artistes. On les télécharge les œuvres comme on veut et les artistes ne se retrouvent pas dans ces téléchargements. C'est ça le grand problème. C'est ça le principal problème, les téléchargements et le partage des fichiers dans les réseaux sociaux sans que les artistes ne se retrouvent. Nous proposons qu'on crée une redevance contre la circulation illicite des œuvres de l'esprit. Comme ça, les artistes pourront se retrouver. Sinon, c'est un manque à gagner important contre le créateur des œuvres de l'esprit. L'étude, à en croire son auteur, n'a pas pour finalité de remettre en cause l'innovation technologique de l'Internet, mais la préoccupation est de renforcer la législation de la RDC afin que l'Internet ne demeure pas une zone de non-droit en faveur des internautes qui reproduisent impunément les œuvres de l'esprit en ligne. Et on termine ce journal par cette mission du gouverneur par intérim de la province de Tanganyika, Samba Kayabala, qui s'est rendu dans le territoire des Nunzu pour lancer la campagne agricole saison 2021-2022. C'est un reportage de notre confrère Mathias Makolovera. À l'aérodrome de Nyuzu, le gouverneur par intérim de la province du Tanganyika, Samba Kayabala Monu, a été chaleureusement accueilli par la population du chef-lieu de ces territoires, grenier de la province du Tanganyika, les honneurs militaires, passage des troupes en revue. L'autorité provinciale a eu droit à un bain de foule avant d'être contraint de marcher à pied par celle-ci. À la tribune officielle, le gouverneur intérimaire Samba Kayabala Monu, qui s'est adressé à la population de Nyuzu, a d'abord rendu hommage au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la paix retrouvée dans ce territoire grâce aux actions de grande envergure menées par les forces armées congolaises. Par la suite, il a invité la population de Nyuzu à la culture de la paix et de la cohabitation pacifique. Après avoir lancé officiellement la campagne agricole saison culturelle 2021-2022 sur toute l'étendue de la province du Tanganyika et ce à partir de Nyuzu, l'autorité provinciale a remis à titre symbolique des semences agricoles et outils aratoires à plus de 22 000 ménages, toutes communautés confondues. Ces semences sont essentiellement composées de maïs, arachides, haricots et beaucoup d'autres. Pourquoi avoir lancé cette campagne agricole à Nyuzu? Si j'ai tenu à venir ici, c'est pour montrer à suffisance que Nyuzu est en train de reprendre des couleurs et que contrairement à ce que les gens pensent et contrairement à ce que les gens disent, Nyuzu est prêt à recevoir toute aide qui peut l'amener à un développement. Dans la délégation du gouverneur par intérim Samba Kayabala Monu, s'est trouvé également 5 membres de son gouvernement, le député provincial Dominique Botamouina, élu du terroir, les membres du comité provincial de sécurité et l'un de ses conseillers. Réalisé par Discover Pongo et Rodépendant, ce journal a connu le concours rédactionnel de Diane Balaka. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 16h dans une présentation de Séverine Katanda et à 20h, retrouvez Sandra Nyangui. Au revoir et bon week-end chez vous.